m'a déjà arrêté plusieurs fois dans la rue et ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, quoi. Je sais vraiment pas, en fait. Ben, c'est quand... Enfin, quand on compare des choses d'un magasin à un autre, mais que c'est moins cher dans un magasin qu'un autre. Sur Rêve à développer, honnêtement, c'est un sujet qui m'est totalement inconnu. C'est comme Max Avla et tout ça, je pense, c'est ça. Personnellement, tout ce que ça me dit, c'est par exemple les... Bon, par exemple, comme j'aime bien le café, forcément, on voit souvent tous les cafés avec les petits logos de commerce équitable, parce qu'on sait que ça, c'est venu de ceci, enfin de... Comment on dit, c'est... Je sais même pas comment on explique ça. C'est pas les commerces qui achètent les produits à des entreprises où les gens ne sont pas exploités, les gens sont payés pour ce qu'ils font. Il y a les logos sur le café qui expliquent que voilà, ça vient du commerce équitable et au fond c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'on n'en voit peut-être pas assez aujourd'hui. Au final, je m'y intéresse pas particulièrement et du coup, je n'ai absolument aucune connaissance dessus. Je connais pas grand-chose, mais je m'y intéresse pas parce que ça, c'est pas très connu, c'est pas très répandu comme système, quoi. C'est de donner des opportunités pour les gens qui n'ont pas beaucoup de chance. Donc, si nous pouvons acheter quelque chose des gens qui commencent et qui ont moins d'opportunités, je crois que c'est mieux qu'acheter des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et les grandes entreprises. C'est que c'est du producteur directement au consommateur. Donc moi je préfère payer le loyer d'un fermier qui travaille dur toute sa journée que de payer le yacht de Coca-Cola ou de n'importe quelle grosse marque, quel gros capitaliste. Le commerce équitable c'est la proximité, donc c'est l'humain, c'est la relation humaine avec ceux qui travaillent pour nous faire bien manger et nous faire manger des bonnes choses. Que le cultivateur, mais autant les gens qui vont travailler pour lui, et enfin que ce soit un prix qui puisse rémunérer tout le monde de façon normale et correcte, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dont ils ont besoin, mais qu'ils puissent aussi avoir un bon effet sur la santé, enfin pas avoir des produits chimiques qui puissent bousiller leur santé lorsqu'ils vont travailler, parce que si c'est pour travailler, récolter assez d'argent, mais être en même temps malade et devoir payer des frais énormes pour pouvoir se soigner, bah, c'est pas utile non plus. En général, je trouve que le commerce équitable, c'est surtout aussi important pour tous les petits paysans du tiers-monde, puisque bon, à côté des lobbies occidentaux et tout, ils sont fort écrasés ou exploités, donc à mon sens, c'est plutôt ça. C'est pas toujours super beau comme Max Avelaar, on va dire. Je trouve que c'est un peu fort capitalisé, mais si on cherche un peu plus loin que Max Avelaar, on peut trouver d'autres commerces équitables, comme moi ici à Liège, je consomme du café Zapatiste, donc qui est équitable, mais après il faut retrouver les vendeurs, ce qui n'est pas toujours évident. Et je pense que le commerce équitable est fort repris par le capitalisme et donc ne devient plus très équitable dans un sens, quoi. C'est un commerce qui essaye de donner un salaire équitable pour les personnes qui travaillent dans le tiers-monde, par exemple. Comme on va dire, par exemple, une barre de chocolat qui coûte 1,50€, ben c'est 1,50€, on va essayer de les partager pour que les personnes qui travaillent ont de quoi vivre. C'est un commerce dont le premier but n'est pas de se faire de l'argent, c'est plus qui cherche à aider les personnes qui n'ont pas les moyens pour se fournir une nourriture. Bah, déjà, ça permet d'aider les agriculteurs à vivre. Et les produits sont meilleurs. C'est le fait d'avoir des producteurs, donc pas forcément de Belgique, ça peut même venir d'autres pays, par exemple en Inde, en Chine ou même juste en France, et de revendre ces produits. Bah, forcément, quand on revend ces produits, on a un bénéfice, mais avoir
ben, penser quand même à la personne qui a produit ce qu'on achète, par exemple du riz, des légumes ou même que ce soit du tissu pour des vêtements, et s'assurer que cette personne ait aussi un bénéfice et que cette personne-là dans l'histoire ne se fasse pas arnaquer totalement. Donc voilà, c'est vraiment, faut que ce soit équitable pour tous, donc un peu le partage de l'argent pour chacun. Et voilà, pour moi c'est ça, et c'est important évidemment parce que tout travail mérite récompense. Donc on va pas travailler dans le vide. De toute façon, avoir des gens qui sont à une tête d'une entreprise, qui sont multimilliardaires, et à côté de ça, les gens à qui ils ont acheté, ils sont pauvres, ils ont même pas de quoi se nourrir. Donc pour moi, évidemment que c'est important. Donc du coup, de ce que je sais, quoi, c'est plus lié à l'environnement, évidemment, et essayer d'avoir une économie sociale, d'avoir une horizontalité au niveau des différentes fonctions, des différents postes, quoi, décisionnels. Sinon, c'est aussi tout ce qui est respect de l'environnement, respect de comment l'élevage est fait, que ce soit au niveau des animaux, là je parle du coup, la traite des animaux, et ensuite au niveau de tout ce qui est légumes, potager, c'est essayer d'éviter tout ce qui est graines, Monsanto, etc. Et retrouver du coup une agriculture plus écologique, plus respectueuse de l'environnement. Commerce équitable me fait penser directement en fait à groupe d'achat commun, qui est aussi une forme de respect de l'environnement et de circuit court et de soutien aux producteurs. Moi, le commerce équitable, j'ai pas de souci avec ça, je trouve ça très bien, mais ce qui me pose problème, c'est qu'on parle toujours du nord-sud, de ce qui vient du sud et qui vient chez nous en bateau, comme on veut. Moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est le fait qu'on ne fait pas assez de la publicité pour les agriculteurs du coin, qu'on ne fait pas la publicité pour aller chercher nos patates dans la ferme à côté, alors que le commerce équitable, c'est aussi ça, et c'est surtout ça ici en Belgique. Oxfam. Je connais Oxfam, ce genre d'organisme. J'ai déjà entendu parler de ça. Dans mon ancienne école, il y avait Oxfam et à 10h, on pouvait aller acheter nos 10h là-bas. Le commerce équitable, c'est premièrement de travailler dans des conditions éthiques, donc qui ne font pas partie de l'exploitation d'êtres humains. Et puis, ce sont généralement de bons produits, de qualité, que ça soit gustative ou technique, voilà. Je suis très très favorable à ce genre de commerce, puisque moi-même je tiens un commerce de produits locaux, wallons, donc pratiquement tout est fait par des créateurs, tout est fait par des créateurs wallons. Je ne sais pas, j'étais au petit commerce de Liège ou sur la Batte, vu qu'il y a des commerçants qui, voilà, ils amènent leurs légumes qu'ils produisent eux-mêmes ou qui amènent les animaux qu'ils ont élevés, etc. Ou acheter dans les magasins bio, parce que souvent il y a des produits qui sont fairly trade, etc. Moi, dans la vie de tous les jours, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, je choisis les produits vraiment par rapport à ça. J'essaye de travailler, d'acheter vraiment local un maximum. Aussi bien ce qui est nourriture. Donc là, c'est vraiment dans un périmètre assez, assez restreint. Et pour tout le reste aussi, un maximum, dans la mesure du possible, forcément, parce que c'est pas toujours évident.
on trouve pas non plus tout ce qu'il faut. J'ai un ami à moi qui justement a une association en Afrique où il aide des petits agriculteurs à revendre leurs produits en France à des prix donc qui sont un peu plus on va dire en faveur de ces petites personnes. Et donc pourra pas l'aider un jour ou l'autre d'une manière ou d'une autre, peut-être pas directement dans le commerce équitable, mais étant donné que je suis étudiant à la Louvain School of Management, peut-être l'aider un peu dans la gestion de cette association. Voilà, par exemple, nous, si on achète du thé, on va aller acheter un thé bio, on va dans un magasin bio. Ouais. On va, par exemple, moi, je vais régulièrement chez Oxfam pour les vêtements, acheter des vêtements de seconde main, les livres aussi. Hier, par exemple, on a été chercher des livres de seconde main. On essaye d'agir un peu à ce niveau-là comme on peut. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui se passe par rapport à l'alimentation, les fruits, légumes qui viennent des pays chauds, qui sont hors saison ici, des choses comme ça. On essaye de faire, d'acheter le moins possible de choses qu'on sait faites d'une mauvaise manière. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais enfin voilà. Mis à part ça, on n'est pas vraiment au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui existe, mais on essaye de faire au mieux à notre échelle. Quand vient un mois, oui, j'y pense. Par exemple, à l'école, quand j'étais en secondaire, il y avait tous les vendredis un petite vente de chocolat, etc., de chez Oxfam. Et donc, à ce moment-là, oui, j'achetais de temps en temps un truc, mais de moi-même, je ne le fais pas forcément, alors que je pense que c'est quelque chose de bien. Donc, voilà. Quand on oublie aussi les grandes surfaces, tout ça, et qu'on part plus vers des petits commerçants, je pense qu'il y a moyen aussi d'avoir du commerce équitable à plus petite échelle chez nous, à travers, par exemple, des fermiers ou des agriculteurs bio ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Je n'ai jamais pensé à acheter ça de moi-même, mais je pense que ce serait une bonne chose de faire ça, de commencer à acheter des produits qui viennent de commerce équitable. Mais en fait, quand j'étais dans mon ancienne école, donc on participait au projet Oxfam. Donc on participait au projet Oxfam, on vendait des produits justement qui étaient pour le commerce équitable. Donc on vendait du chocolat, enfin tout ce genre de choses. Et non, à part ça, j'ai pas encore eu l'occasion de faire quelque chose pour le commerce équitable. Non, pas beaucoup. J'entends pas souvent parler du commerce équitable. Mais voilà, c'est quelque chose d'important quand même, parce que ça aide les gens et voilà, je pense qu'il faudrait mobiliser un peu plus de personnes là-dessus. Enfin, ce serait bien que ce soit plus connu, parce qu'il y a plein, par exemple si on pense du Bob, qui c'est celui qui ne boit pas, qui conduit, c'est un peu la même idée. C'est au final, c'est quelque chose qui ne préoccupait pas trop les gens, et avec une bonne communication, avec beaucoup de publicité, beaucoup de temps et de travail, on a fini par implanter ça dans la tête des gens. Et du coup, aujourd'hui, ça marche bien. Et il faudrait peut-être faire à peu près la même chose avec le commerce équitable, avoir un peu plus de moyens pour faire connaître le système. Parce qu'au final, personne lambda, un peu comme moi, ça me concerne pas vraiment, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'est une bonne idée au fond. Moi, sinon, je sais pas trop quoi dire là-dessus. À part acheter du commerce équitable.